Rire et chanson. Une heure avec spécial Pascal Légitimus. Une heure avec spécial des pipelettes, hein, quand même, en studio. Ah, ça cause, c'est hein. Normal, c'est des super copains qui se retrouvent. Mais tu devrais laisser les micros allumés pendant que vous envoyez les pubs. Ça déconne plus diffuser, entre les. Hein. On a tout enregistré, on va tout diffuser. Ah, bah oui, de toute façon, il y aura les bonus sur rirechanson.fr. Pascal Légitimus, notre invité d'honneur ce week-end. Pour Légitimus Incognitus, le 25 mai, avec Rire et Chanson à l'Alhambra à Paris. Et puis nos invités surprises, Smaïn et Michel Bernier. On va chanter dans ces prochaines minutes grâce à Hold the Love. Mais pour le moment, pour vous présenter notre deuxième humoriste, je pense que le mieux c'est de reprendre les mots de Pascal Légitimus à son propos. Ce type a tout pour réussir, une chance de cocu mais il ne l'est pas, un point de vue sur la société, une plume qui n'a pas peur de cracher son venin, il a sa place parmi les grands. Voici donc Laurent Barra. Le billet de Laurent Barra. Alors billet à deux voix mais aussi à deux personnages phares de Pascal Légitimus. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Sébastien, bonjour tout. Oh Smaïn, mon Dieu qu'il est beau, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Smaïn. Ça va Smaïn? Très bien. Mon cher Pascal, c'est avec des trémolos dans la gorge que je m'adresse à toi aujourd'hui. Ça fait combien d'années qu'on se côtoie toi et moi? 20? 30 ans? Mon Dieu que le temps passe. La seule certitude que l'on a sur le temps, c'est qu'il n'est pas entier. Ça va toujours, Smaïn. Ça va très beau, bien. Mon Dieu. Pascal, quand Rire et Chanson, Mika Sébastien, chapeauté par Laurent Thibault, toi Thibault Doudou. C'est très bien, qui ça, est actuellement en vacances. M'ont appelé pour me demander de te rendre hommage. Je me suis tout de suite dit Jésus Marie-Joseph, j'espère qu'il n'est pas décédé. Un hommage à titre costume, c'est trop difficile à faire. Trop de problèmes avec l'héritage de Johnny. Si en légitime bonus, il faut gérer celui de Pascal. Tout part en boudin. Et puis je déteste les enterrements. Tu ne sais jamais quoi dire. Condoléances, il a l'air apaisé. C'est la foutaise, ça, c'est des phrases d'enterrement. Tu veux qu'il ait l'air de quoi? Il a l'air décédé. C'est tout, tu as déjà vu quelqu'un sortir du reposoir en disant, oui, je l'ai vu, il a l'air dubitatif. Mon cher Pascal, tout au long de ces années, tu m'auras sublimé grâce à toi, malgré un léger embonpoint, avec une fesse à Strasbourg et l'autre à Saint-Tropez. Je suis plus fine du haut que du bas. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme la moutarde, je suis fine et forte à la fois. Je fais de la rétention des petits poches. Eh bien, grâce à toi, je me suis sentie belle, même si tu as légèrement accentué ce côté lymphatique qui amuse tant ton public. La bise, je te la fais, mon Pascal, et à toi aussi, Smaïn. Longue vie à toi, ta Marie-Thérèse adorée. Merci Marie-Thérèse. Il y a Momo aussi qui est de passage. Bonjour Momo. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Excuse de paraphraser l'infirmière qui vient de partir, mais moi aussi je voulais te rendre un vibrant hommage. Aujourd'hui dans l'émission Erreur avec. Putain, tu m'auras tout fait faire. Nardine, tu m'auras tout fait faire. De Momo en tournée ménage avec cette réplique qui a fait de moi une vedette, je m'en vais comme un prince. À Abdallah de Bourgogne, les fourbes. Même au téléconseiller, laissez faire dans les spectacles des temps, Petit Poulain, Laurent Barra, en passant par les envahisseurs ou près de 30 ans plus tard. Dans les cours d'école, on peut encore entendre « Bijour, Monsieur Vincent ». Putain, psartec. Hein. Comme Zidane en 98, toi, moi et Smaïn. Putain, comment ça va, Smaïn? Très, très bien. Ouais, putain, 100%. Putain, je te jure, j'ai l'impression de voir Casimir. Tous les trois, là, on aura essayé, j'ai des biens, essayé d'éradiquer le racisme en France par le rire et le calembour. Alors, à très vite, mon frère. Et comme tu le dis souvent, à bientôt. Youpi. Oh, yes. Trop bien. Tu en es ému, Pascal? Oui, ben moi, quand je ris, je pleure. Donc, excusez-moi, j'ai toujours un Kleenex. Voilà, c'est la preuve qu'il se passe quelque chose. C'est ça. Rire et chanson. Une heure avec spécial Pascal Légitimus. Bien le bonjour, c'est Sébastien Bochet. Elle vous a plu cette vidéo? Et ben ça tombe bien parce qu'il y en a plein d'autres. Regardez, il y en a une là, il y en a une là. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube de Rire et chanson, c'est juste là, c'est hyper simple.